C'est par une minute de méditation suivie de l'hymne Léonce que cette première réunion du comité consultatif du gouverneur du district a été ouverte. Ce rendez-vous qui clôture le premier trimestre d'activité au sein de la zone 21 vise à faire le point des activités réalisées par les clubs de la zone durant cette période de l'année 2022-2023, à faire des projections et discuter des défis à relever. Nous aurons à évaluer, à faire le point des activités de club par club pour ce trimestre qui vient de s'écouler, afin d'apprécier ensemble nos efforts par rapport aux objectifs fixés dans les domaines prioritaires que sont la gestion et l'administration de nos clubs, la formation des liens, la gestion de l'effectif des liens au sein des clubs, le service liens rendu aux communautés, la campagne 100 pour soutenir les actions de notre fondation LCIF, la jeunesse, la communication autour de nos différentes activités. Je dois le confesser ici et maintenant qu'à l'inverse de la parabole, pour ce premier trimestre, les ouvriers sont nombreux et c'est la moisson qui est peu abondante. Après le discours d'ouverture du président de la zone, place a été faite au rapport d'activité des présidents des clubs. 4 présidents de clubs, présents sur 5, ont à tour de rôle présenté le point de leur activité. Il s'agit du club Abomey-Calavi Diamant, Cotonou Saphir, Cotonou Baobab et Cotonou Ruby. Il ressort des échanges que beaucoup d'efforts ont été consentis et des impacts positifs et durables observés. Néanmoins, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le défi, il est permanent, c'est de réussir à améliorer autant que faire possible les besoins de la communauté. C'est de pousser ensemble avec tous les clubs, le district à atteindre l'objectif de dépasser les plus de 200 millions de personnes par an, service rendu. Que cette première évaluation à mi-parcours, qui est l'occasion de refaire le point, permette aux amis, une fois les statistiques présentées, de se remettre en selle pour continuer l'œuvre si bien entamée et, ma foi, permettre l'atteinte des objectifs. Les participants ont par la suite eu droit à une communication portant sur le thème « Parcours du service Léonce » et sur le Léonce sans scrap. Ils essayaient de s'axer un peu chez la jeunesse pour leur programme d'activité. Je tiens à encourager...